Au Pays Basque, on dit que ça ressemble un petit peu à la fabrication du jambon. Il faut des ingrédients, à savoir eh bien, ne pas stresser l'animal et des bonnes conditions météo. Pour sortir du brouillard et pour éviter tout ça, eh bien, ça a mal débuté puisque les joueurs, vous le voyez, ont été accueillis par de la grêle. Mais les Bayonnais comptent se décoiffer pour assurer leur survie en top 14. Le début de match est à l'avantage de Bordeaux. Un ballon récupéré par Domvo qui va aplatir. On va quand même demander la vidéo puisque Poux laisse le ballon s'échapper. Domvo est là et va aplatir. Mais l'explication de Monsieur Poit est claire. Voilà, l'essai donc validé 7 à 0 après 5 minutes pour l'Union Bordeaux-Bègles qui va s'appuyer sur ce qui fonctionne, à savoir les jambes de son funambule, l'ailier fidjien Taleboula, qui se permet d'enrhumer Joroko Soko, l'ancien All Black. Admirer toute la technique du fidjien, ça ne donnera rien. Bayonne de son côté va réduire d'abord la marque grâce au pied de l'Argentin Bustos Muyano. Et Guillaume Rouette, qui est rentré temporairement, va lui accélérer, va amener ses avants dans son sillage pour essayer d'emballer un petit peu la partie. C'est assez plaisant, il y a du rythme. On voit une solution sur l'extérieur avec Stéphane Brett, le néo-zélandais, qui va écarter pour Rocco Soko qui slalom dans la défense et va aplatir. Pas besoin de vidéo, l'essai est validé par l'arbitre Rocco Soko qui marque là son 7e essai de la saison. Bordeaux lâche des ballons mais Bayonne va essayer d'attaquer, mais Madol intercepte ce ballon, a parfaitement joué le contre, l'essai de Louis Madol qui est un petit peu un coup de poignard puisque Bayonne était sur un temps fort. Christian Lanta est déçu puisque ses joueurs ne sont pas récompensés. Les Bordelais jouent parfaitement le match à l'extérieur et continuent de s'appuyer sur la pépite Taleboula. Admiré, il va traverser tout le terrain, il va taper à suivre pour lui-même, peut-être aller inscrire un essai. Non, le rebond ne sera pas favorable au Fidjien qui est véritablement l'homme de cette saison dans les rangs girondins. Taleboula qui rate l'essai, mais l'autre homme en forme de la saison, c'est lui, Pierre Bernard, qui va passer des pénalités, une première pénalité qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de prendre le large et de mener de 10 points à la pause, 20 à 10. Christian Lanta est inquiet et il y a de quoi. En début de deuxième période, les Bayonnais vont perdre leur buteur Bustos Muyano qui croise le genou de Domvo. Il est KO l'Argentin et va laisser ses coéquipiers pour la suite de la rencontre. Bordeaux va accélérer, va essayer de déborder avec la vitesse de ses trois quarts, va essayer de déborder la défense de Bayonne. Madol qui est tout proche de l'essai, va-t-il aplatir? Il est trop court. O'Connor revient bien, mais alerte dans la défense de Bayonne puisque Bordeaux joue bien au rugby cet après-midi et Pierre Bernard est en réussite. 13 points d'avance à une demi-heure de la fin, 23 à 10. Mais attention, les Bayonnais ne vont pas craquer. Ils vont même afficher là des vertus, du courage et vont tout faire pour revenir dans la partie. Amené, lancé par leur deuxième ligne, Sénécal qui va lancer la révolte. Rouette qui va écarter avec Dwayne Areu qui va avancer, qui va rentrer dans les 22 mètres. Il y a une solution avec Rouette qui va écarter pour Brett. Brett avec Fernandez. Fernandez qui a un 2 contre 1 pour O'Connor. O'Connor qui va aller marquer un essai. L'essai de la révolte, 23 à 15. Cet essai ne sera pas transformé. Un échec supplémentaire pour les buteurs bayonnais. Bordeaux va essayer de temporiser, mais Bordeaux, comme Bayonne en première période, va s'exposer à des contres. Vous voyez Pierre Bernard qui va être intercepté par Mathieu Hugald qui vient de rentrer au poste de trois quarts centre. Mathieu Hugald qui court et qui marque là. L'essai. Le public se régale. Le match qu'il y a, vu ce qui est tombé avant, c'est chapeau à tous. Et même l'arbitre qui félicite les joueurs pour leur état d'esprit. Bayonne est à un point, il reste un quart d'heure. Ils vont s'offrir, regardez le bras tendu de l'arbitre, ils vont s'offrir une pénalité. La faute de Clark King est claire. Le joueur n'est pas monté de façon régulière dans l'alignement. C'est donc la pénalité de la victoire pour Mathieu Hugald. Souvenez-vous, il avait été le héros à Aguilera lors du derby. Mathieu Hugald, 22 mètres, elle est plutôt en bonne position pour ce jeune joueur, ce jeune espoir qui va taper. Et le ballon qui passe à côté, c'était peut-être la balle de match. On en reste donc à ce score de 23 à 22. La victoire de l'Union Bordeaux-Bègles, deuxième succès à l'extérieur pour les Bordelais. De la déception pour les Bayonnais qui ont été courageux, qui ont été vaillants et qui peuvent regretter les 11 points laissés en route par les buteurs. L'opération maintien continue dans la douleur pour les entraîneurs, pour David Roumieux. Côté bordelais, les supporters savourent et le président Laurent Marty aussi. Mais c'est marrant parce que vous savez, il y a beaucoup de retenue encore. Il y a eu un peu de joie, mais on sent que les mecs ont envie d'aller encore plus loin et de ne pas se contenter de quelques victoires comme ça. Voilà, on a envie de, si on pouvait accrocher une part de rêve qu'on n'a jamais connue, ça nous ferait plaisir. J'ai commencé à demander à Jean-Baptiste Poux comment ça se passait les phases finales. On n'y est pas.